Bonjour tout le monde. J'essaie de vous caler. Voilà, petit début de vlog dans la voiture. J'espère que vous allez m'entendre. Je viens de postuler donc pour du ménage à domicile. Il faut que j'affine mes recherches. Je crois que j'ai postulé aux centres commerciaux aussi, par exemple, donc caissière ou autre. Déjà là j'en ai fait un institut, une entreprise de service à la personne. Ils sont beaucoup à l'accueil, à gérer, je trouve. Du coup elle perd tout le monde, hein. Je sais pas, une idée. Du coup elle a dit qu'elle transmettait ma lettre de motivation et mon CV. Elle transmet, voilà. Donc il va être 11h, voilà. Je m'étais dit 11h maximum, il faut que j'y sois. Voilà. Je me suis réveillée à 8h30. Un jour, je vais péter mon écran comme ça. Donc, je me suis réveillée à 8h30, du coup, ça fait tard. Je pensais me réveiller vers 7h, moi. Mais non, pas du tout. Du coup, ben voilà, j'ai joué un peu avec Anna. Ensuite, je me suis préparée. Là, je vais aller boire mon deuxième café. J'ai déjeuné aussi. Voilà, quoi de prévu aujourd'hui? Bah, à part rechercher du travail, hein, moi j'ai rien de prévu, hein, je vous avoue. Normalement aujourd'hui c'est les réinscriptions, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais attendre. Je vais attendre d'être appelée pour savoir. Parce que même si je peux payer en 3 fois et que je peux me le permettre, je veux faire attention. C'est-à-dire que si je peux commencer à faire le paiement en 3 fois au mois d'août, je le fais, quoi, c'est pas grave. À partir du 5 août, je pense que je me réinscrirai. Et de toute façon, ça, ce qui va se passer là, on voit ça pour une fois. Bonjour, prends la main. Donc, je vous disais, je viens de rentrer, j'ai posé mes chaussures, mon sac et tout. Moi, à part rechercher du travail, j'ai rien de prévu, ouais. Et coucou mon lapin, faut que je m'occupe de la maison. Donc ce qui va se passer là, parce que là je sais qu'ils recherchent. Si mon profil ne correspond pas ou ne plaît pas, après j'ai bien mis que l'année dernière, oui c'est ça, juillet août, j'ai fait des ménages à domicile, donc oui j'ai conscience. Puis après j'ai pas mis dans ma lettre de motivation, mais ma maman est aide-soignante et du coup j'ai depuis assez petite je traînais dans ce milieu avec les personnes âgées. Il y avait une OEC de l'hôpital et tout, donc j'ai pas peur d'eux. Oui, parce que oui, ça peut exister, la peur de la personne âgée, de la vieillesse. Moi j'ai pas ça. Que je sais ce que c'est. Voilà. Du coup, petit café. Et ouais, je vais m'occuper de la maison, des litières. Et je vais mettre une machine en route. Et je vais affiner, ouais, voir, je vous ai dit, hein, caissière, peut-être que ça peut marcher, je vais voir. Oh, j'aurais même pu postuler à. Magasin comme Blafard Fouille. C'est ouvert ça le dimanche. Parce que oui, moi je me focalise surtout sur travailler le dimanche, en sachant que par contre il y a le cas qui peut avoir des matchs le dimanche. Après c'est lui-même qui va se payer le foot, hein, je pense, vraiment. Là actuellement je ne peux pas. La machine a fait des bruits bizarres. J'espère qu'elle va pas se casser. Franchement, parce que moi je l'adore cette machine. Et j'ai plein de café en plus. Donc ça me ferait racheter la même, dans la même couleur. C'est bon. Ah ouf. Donc ben voilà ce qui va se passer. J'ai chaud, mais chaud. Je crois que je vais m'attacher les cheveux là.
Et oui, j'ai mis ma petite pierre là pour me porter chance. Je vais la garder toute la journée. J'ai vu que mercredi, c'est une super lune, une pleine lune dans tous les cas. Je vais faire une petite prière. Je vais. c'est débile, hein. Mais psychologiquement, ouais, j'en ai besoin de ces conneries. Mais voilà, clairement, j'en ai besoin. Et j'y crois en vrai, hein. Après, c'est vrai que je n'ai pas. Je sais pas si vous êtes pas très spirituel, vous ça vous parle pas, hein. Mais c'est vrai que spirituellement, j'ai pas demandé à mes anges gardiens ou mon ange gardien du travail ou de m'aider. C'est vrai, je suis toujours dans le je me débrouille seule et ça marche jamais, 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 jamais. Pourquoi pas demander? Ma sœur elle me dit très souvent, demande et tu auras, mais moi j'ose pas. Parce que oui, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on touche. Du coup, c'est particulier comme, comme fait. Enfin bon, bref, c'est très spirituel. Je vais pas vous aboutir avec ça. Si, je vais pas vous en parler en fait, parce que si ça vous plaît pas, ça sert à rien. Voilà, moi j'ai ma petite pierre qui va m'aider. J'espère que ça va pas me faire des blocages. Donc voilà, c'est pour ça. Des blocages dans le sens où. Par exemple, vendredi, quand je l'ai postulé, j'avais du mal à parler, à m'exprimer. Juste, c'était, je veux travailler, j'apprends vite, ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Ils ont la clé là-bas, dis donc. Après, moi, je sais que moi, je serai avec ma voiture, je me déplace. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, j'aimerais tellement pouvoir travailler et pouvoir adapter mon emploi du temps à l'emploi, enfin à mes études. Oh là là, vous voyez, des fois je trouve pas les mots. Mais là j'ai trouvé les mots plus vite, hein, donc ça va. Bon bah allez, c'est parti, café et puis ménage. Alors c'est pas le gros ménage, ça je l'ai fait hier. Là c'est juste ménage des caisses, cage de chouchou, du rangement. Et voilà. Mettre au recyclage, qui veut mettre au recyclage. Là je sais qu'il y a deux emballages. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, ils nous ont changé certaines modalités par rapport au tri depuis le début de l'année, en fait. Et je trouve que du coup, la poubelle jaune, ils devraient nous la sortir chaque semaine. Parce que franchement, moi, elle est pleine, vraiment pleine. Si je devais mettre tout ce qui était emballage, tout, parce que je ne mets pas tout, et bien franchement, elle serait pleine chaque semaine. Donc là, je ne mets pas tout. J'espère ne pas me prendre d'amende. Franchement, non. Bon ben voilà. Bon, alors, là, j'allais partir en course avec Laura. Moi, je vais éternuer. Ça va, sauf, merci. Sauf que finalement, il y a ma maman qui arrive. En fait, la semaine prochaine, Maya et Lucas vont chez ma maman. Et du coup, elle a proposé de prendre des affaires déjà directement pour éviter que le jour même où elle vient les chercher, qu'il y ait trop de choses en fait. Elle a une petite voiture quand même. Et moi, financièrement, je ne peux pas forcément faire tous les allers-retours chez elle dans la semaine. Du coup, je vous montre les draps pour les matelas, le gonfleur et là, les deux matelas. Chacun aura son matelas. Je leur donne le 120 et le... Enfin, je leur prête le 120 et le 140. Voilà, normalement, c'est bon, ça devrait aller. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, ben, comme ça, c'est fait. Et voilà, en espérant qu'ils ne soient pas passés et tout et qu'ils arrivent à les replier bien après pour me les ramener quand j'irai les chercher. Mais voilà, ça c'est fait. Voilà, du coup, bon, j'ai pas les réductions que je veux cette fois, donc bon, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, tant pis, écoutez. C'est parti pour le retour de course, mais avant, regardez, j'ai gagné un verre. Verre du Tour de France avec Leclerc. Alors, bah, je vais commencer par ce qui est là et puis après je vous fais le congé. Donc, cette fois, j'ai pris ce que je prends en général. Parce que j'en ai marre de couper en petits morceaux. Et là, je sais que c'est déjà coupé. Donc, légumes couscous, spéculoos. Ça, Maya et moi, nous adorons. Des galettes de maïs comme ça. Elles sont à 86 centimes. Sont vraiment pas chères. Des macaronis. Croquettes chatons. On va essayer ça.
Après avoir fini les autres, évidemment, puisque là, il nous reste encore des purées nawan. Après, on va essayer ça. Des yaourts à boire comme ça, du coton. Des pommes. Ah non, j'ai pas pris de pommes, mais j'ai pris la compote. On ira à Auchan. Je dois aller à Auchan demain voir les pommes, les frites et les tablettes de chocolat. C'est le truc qui me manque. Donc, stick au chocolat blanc, j'ai pris les mêmes au chocolat au lait. Deux trucs de brownie. Yaourt nature, la base. Petit beurre au chocolat. Comme ça, couscous moyen, mais c'est que 500 grammes, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave, hein. Pâte à tartiner. Des gâteaux comme ça, spirit. Des glaces comme ça. J'ai pris deux paquets. Et comme ça. Et là, des thés de riz. Du coup, il n'y avait pas les pâtes à pizza ni la sauce que je prends en général. Du coup, j'ai pris des pizzas congelées qu'on va faire ce soir. Donc là, je vais les laisser dehors. Donc, bolognaise. Quatre fromages. Et jambon fromage. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé de pizza congelée. J'espère qu'on va aimer, ça va. Enfin, on verra bien. Donc, une tarte au fromage de chèvre courge comme ça. Des rostis. Poêlée à la parisienne. Des nuggets, des pommes de terre rissolées et des comme ça des smiles. Ensuite, j'ai pris donc des chips, de la mâche, de la litière pour chouchou, des pains muffins comme ça, des complets, un dentifrice, pâte feuilletée, un bain-bouche, pardon, du coton, tige, pardon, cette fois des vitamines comme ça, huile de foie de morue, du fromage mi-chèvre, du fromage colombier, tomate cerise, de la crème fraîche, fromage râpé, des saucisses, trois trucs de jambon parce qu'il m'en reste un, il me semble, encore des spéculoos, mais ça c'est Laura qui va les prendre, et du pain au lait. Et ça se dispute là. Du pain de mie classique. Mes lunettes sont pas trop de mise. Ensuite, alors pour essayer, on va voir. Normalement, c'est meilleur. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai pris les pas sucrés. Et là, c'est les sucrés. Donc, j'espère qu'ils vont aimer. Et en même temps, j'ai pris ça. Bah, vous savez, hein, c'est plus rentable que les Chocapic, genre, voilà. Et que les Frosties. Donc, nous, c'est vrai qu'à la maison, ils aiment bien ça. Donc, on va voir. Je sais que les céréales, c'est pas le meilleur truc au monde, mais bon, à un moment donné, je veux juste que mes enfants ils mangent, moi, puis c'est tout. Et donc, ça, au petit déjeuner, au goûter, ça leur fait plaisir. Ensuite, des compotes de pommes. Il n'y avait pas des compotes à boire comme ça. Donc, j'ai pris comme ça, vu que c'est les vacances, hein. Du lait pour Anna. Là, nous avons du multifruit, voilà, comme ça, celui à 1,11 €. Les deux, ça fait le prix de 1 réa, hein, je rappelle, hein. Et 2 litières pour les chats. Voilà donc pour ce petit retour de course où je vais maintenant tout ranger et faire à manger. Parce que je suis pas trop... En fait, cet après-midi, il y a ma maman et ma grande soeur qui sont passées. Du coup, on a pas mal parlé. Et ça fait super plaisir de se retrouver comme ça à la maison. Et du coup, ben, on est allé en course avec Laura très tard. Il était plus de 5 heures. Et là, ben, on vient de rentrer, il est 18 h et quelques. Mais en général, c'est ça. Moi, je mets environ 1 heure en course. Et c'était bien ça, voilà. Du coup, alors, j'en ai eu pour 96 €. Alors, attendez, je regarde le ticket de caisse. Donc, j'ai eu un verre, un plastique. Et cette fois, j'ai pu. Alors, anti-inflation, j'ai eu 0,8 centimes. Et j'ai. Oh là là! J'ai obtenu 3,91 € de bons, ce qui fait que sur la carte là j'ai 12,90 €. Ah, c'est ouf! Ah, c'est ouf! Et du coup, j'ai quoi comme offre? Est-ce que j'ai des offres? Je ne sais pas si j'ai des offres. La dame, elle m'a donné un petit coupon. J'ai. Donc, j'aurai pour la semaine prochaine 1,30 € sur le rayon thé café. Ouais, à hauteur de 5 €, mais je ne prendrai pas vu que j'ai mon café déjà pour le mois. Et là, 1,50 € sur 6 € à l'animalerie. Ça c'est bien. Voilà. Lui, je le garde. Et l'autre bon,
c'est périmée. Et là, il y a Laura qui s'est payé un truc pour son voyage que je prends. Il est plus d'humeur. Ah ben non, là, il n'y a rien. Voilà, donc c'est cool. Je vais avoir 1,50€ de réduction pour l'animalerie. Du coup, animalerie, je pense que ça comprend aussi la litière et la nourriture, je suppose. Regardez-moi, chéchou. Il est beau, mon lapin. Et mon chat. Ça va, aujourd'hui, il ne m'a pas fait tomber la lampe à l'intérieur. Je suis contente. Je vous dis ça, et il va la faire tomber, vous allez voir. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui gratte là-bas? Il n'y a plus d'humeur. Ah, c'est Ron. Laisse Mickey faire dodo. C'est quoi, tu veux passer? Hein? Voilà, cette vidéo est finie, je vous clôture là maintenant. Avec les filles, on va jouer un peu au Uno et tout. Si Anna promet de ne pas faire la tête, on fera peut-être un tête famille. Parce que quand on lui demande, je vous l'ai déjà dit, hein, quand elle demande un personnage qu'elle a, avec ses yeux, elle a envie de nous trucider. Clairement. Bon, donc moi, je vais vous laisser là maintenant. Pas de réponse, pas d'appel pour faire un entretien encore. J'attends. On dirait une Bon, bah du coup, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.